retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau défi. Et le défi m'a été lancé par un collègue de boulot, Loïc, qui m'a demandé si je pouvais essayer de tirer des boules en ayant les yeux bandés. Donc non, je suis pas malade, mais j'ai mis mon pull à l'envers et je serai masqué. Donc du coup, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Je vais faire 15 lancers et puis on verra combien que je suis capable d'en toucher. Allez, c'est parti les amis. Allez, c'est parti, 15 boules. La boule. Ouais, les trois dernières. Et après, je ferai une petite série de 6 boules en les regardant, voir ce que ça donne. Amis, on va lancer 6 boules en regardant les boules, puis on va rigoler un peu. Ah!
Allez, trois autres. Allez, on s'arrête plus. Allez, la boucle collée derrière. Allez, celle-là. Ah, ça sera plus dur. Ah, les amis. Eh ben, je suis même pas fatigué. Ouais, les amis. Ouh. J'espère que la vidéo, vous allez l'apprécier. Moi, je me suis amusé à la tourner. Loïc, je pense avoir répondu à ton défi. Du mieux que je pouvais. C'est vraiment pas bon, la cigarette. Hein. En tous les cas, les amis, laissez un gros pouce bleu. Ça me soutiendra. Puis ça peut-être m'aider à retrouver mon souffle aussi. N'hésitez pas à vous abonner. À laisser un gros pouce bleu. En tous les cas, moi, je vous apprécie. Vous êtes les bienvenus. Et continue à kiffer la pétanque parce que moi j'adore ça. Bon, je suis chaud pour les affronter. Philippe Suchot et Philippe Kenté. Je m'entraîne toute la nuit. Je joue en l'air mon mariage. J'ai posé mes pieds sur le sable. Dans le cerceau pour être bien stable. Et ma famille dans le carré pour m'encourager. J'ai cru les battre une fois. Mais c'était qu'un rêve. Devant debout le carreau sur place. Ils me mettent la haine.